2 Pierre, chapitre 1. Shimon Petros, esclave et apôtre de Yahushua Mashiach, à vous qui avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Elohim et Sauveur, Yahushua Mashiach, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance précise et correcte d'Elohim et de Yahushua notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous soyez faits participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi, et au contrôle de soi la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach, vous sera richement fournie. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous ayez la connaissance, que vous ayez de la connaissance et que vous soyez fondés dans la vérité présente. Car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements pendant que je suis dans cette tente, sachant que je quitterai rapidement cette tente comme notre Seigneur Yahushua Mashiach lui-même me l'a déclaré. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Yahushua Mashiach, mais comme ayant vu sa grandeur de nos propres yeux, car il a reçu d'Elohim, le Père, honneur et gloire, lorsque la voix que voici a été portée jusqu'à lui par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix portée depuis le ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Elohim ont parlé. 2 Pierre, chapitre 2. Mais comme il y eut de faux prophètes parmi le peuple,
Il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition et, reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup les suivront dans leur perdition. Et à cause d'eux, la voie de la vérité sera blasphémée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. Mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a précipités dans le Tartare, où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, lui, huitième prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré Lot, le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses hors la loi, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait tous les jours son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. Le Seigneur sait comment délivrer de la tentation ceux qui l'honorent et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la Seigneurie. Gens audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, alors que des anges, bien qu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles des jugements blasphématoires devant le Seigneur, mais eux, semblables à des bêtes, dépourvues de raison, gouvernées par leur instinct naturel, nées pour être prises et détruites, parlant d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption, en recevant la récompense de leur injustice, trouvant leur plaisir dans une vie de luxe en plein jour. Ce sont des taches et des souillures. Ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie quand ils prennent part à vos festins, ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher. Ils attrapent avec un appât les âmes instables. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, de Bozor, qui a aimé le salaire de l'injustice, mais il a reçu une réprimande pour sa transgression. Une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, a empêché la folie du prophète. Ce sont des sources sans eau et des nuées agitées par un tourbillon de vent. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Car en prononçant des discours enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât, par les désirs de la chair et par leur luxure sans bride, ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. En effet,
si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yehoshua Mashiach, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Mes bien-aimés, c'est ici la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par un appel la pureté de vos pensées, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous qui sommes apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachant avant tout ceci, qu'il viendra vers la fin des jours des moqueurs, se conduisant selon leurs propres désirs et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout reste permanent comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement que des cieux existèrent autrefois par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que par ces moyens le monde d'alors fut détruit, étant submergé par les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu du jour du jugement et de la destruction des humains impies. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, bien-aimés. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, sera brûlée entièrement. Puisque toutes ces choses seront dissoutes, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? En attendant et en hâtant l'avènement du jour d'Élohim, par lequel les cieux enflammés seront dissous, et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et innocents dans la paix. Et considérez que la patience du Seigneur est votre salut, comme Paulos, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, comme il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et instables tordent, comme elles tordent aussi les autres écritures pour leur propre destruction. Vous donc, mes bien-aimés, puisque vous êtes déjà avertis,
prenez garde de peur qu'entraînés par l'égarement des hors-la-loi, vous ne perdiez votre ferme condition. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua Mashiach. À lui soit la gloire, maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen.